Je suis un vampire. Aïe. Toi, t'es un bébé, tu joues encore avec tes jouets. Je suis la seule qui peut intimider mon petit frère. Ne me frappe pas. D'accord, vas-y. Les enfants, vos parents sont là pour vous voir. Qui? Le comte Dracula. Oui, maman. La souveraine de la mer, la féroce des océans. La sirène. Doucement, chérie, doucement. Quoi, maman est dans un sac? Tu n'aurais pas dû. Ce n'est plus drôle, là. Eh bien, bonjour, les enfants. Nous sommes vos nouveaux parents. Oh mon Dieu. Ils vont nous manger, c'est sûr. Non, je pense pas. J'ai perdu, on va recommencer. Non, elle, c'est une sirène, lui, c'est un vampire. Je voulais qu'ils soient tous les deux des vampires. Waouh, je suis un vampire. Cool. Maintenant, c'est à moi de jouer. Chérie, tu vas devenir une sirène. Je veux être cool. Stella, les sirènes sont cool. Pendant que vous vous disputez, nous allons faire nos trucs de vampire. Ah. Eh bien, nous devrions y aller aussi. Bienvenue dans ta chambre. Oh, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce que t'en dis? Waouh, quelle belle chambre! Belle? Waouh, est-ce que j'ai un chat? C'est une araignée. Papa, où sont mes lunettes? Les vampires ne portent pas de lunettes. Ah oui, d'accord, papa. Il faut faire quelque chose. Waouh! Pourquoi est-ce que tout est bleu? Oh. Ok, si ce sont des lunettes, alors ce sont des lunettes de vampire. Super! Maintenant, je suis définitivement un vampire. Qu'est-ce que tu as sur la tête? Des cheveux. Des cheveux? C'est censé être fait, ça. Qu'est-ce que c'est? Chérie, aide-moi! Oh, ils ne peuvent rien faire sans moi. Oh, merci, maman. Oh, j'aurais pu le faire moi-même, j'avais juste... Oh, je t'aime tellement, ma chérie. Tu peux t'occuper du reste à partir d'ici. Tiens. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est un bouton. Pourquoi? Oh, c'est dégoûtant. C'est sans danger. Je pense pas, non. La chose, à l'aide. Oh, salut. Fais quelque chose. Waouh, maintenant j'ai plus de boutons. T'es sûr que c'est fait? Je sors. Tout va bien. Je pense pas pour toi, non? Ah, ces adultes. La chose, on dirait qu'on a besoin de toi ici. Combien de temps encore? D'où ça vient? Mâcher du chewing-gum tout le temps, c'est mal. Au moins, j'ai un sourire parfait. Et tu penses que ce sont des dents parfaites? N'est-ce pas? Souris? S'il te plaît. Eh bien, elles ne sont pas parfaites. Et alors? T'es censée être la meilleure. Souris! Parfait. Il faut juste que tu blanchisses tout ça. Ah, les dents sont comme des perles. On va ajouter un peu de couleur océanique. Et voilà. Souris. C'est parfait. Ça a l'air cool. Non, non, non. Je vais te préparer du chewing-gum de mer. On va prendre ton chewing-gum et faire des algues. Ajoute un peu d'amour. Et le chewing-gum pour sirène est prêt. C'est pas mal. Oui, c'est vrai. Oh, ça gratte. Oh, je peux pas. As-tu des pellicules? Je ne sais pas, mais un bandana me sauve toujours. Je n'ai rien d'autre. Une sirène qui porte un bandana, ça n'existe pas. Alors je serai la première. On va te coiffer.
Oh, pourquoi c'est si mouillé? Ça sent bon la fraîcheur de la mer. Achou! Chérie, tu vas tomber malade. Achou! Et puis ça. Oups, je suis allée trop loin. Et le bandana? J'ai une meilleure idée. Waouh, maintenant je suis une sirène. On va te coiffer. Assieds-toi. J'ai quelques idées. Je pense que ce sera beaucoup mieux avec ce bijou. Et quelques perles. Très bien. Et on va ajouter un peu de couleur. Ça a l'air cool. C'est fait. Oui, et maintenant on peut y aller. Oh! Tu vas bien? Oh, je te remercie. Oh, Stella, où t'es-tu, Sally? Comment on peut se promener avec des nageoires? Tu ne peux pas marcher avec une nageoire aussi sale. Mais maintenant, on va arranger ça. Maintenant, je vais te montrer. Nous, les sirènes, on fait comme ça. Maintenant, c'est ton tour. Juste une minute. Oh! Oui, il faut des années de pratique. Justin, est-ce que c'est toi? Waouh, Stella, tu es une vraie sirène! Et toi, t'es un vrai vampire! Cool! Regarde mes lunettes! T'as vu ma nageoire? C'est super! Mais mon look est le plus cool, bien sûr! Oh, on est tous les deux géniaux, d'accord? D'accord, toi, tu es la plus géniale! Qu'est-ce que t'as là? Quoi? Encore une fois? Un bouton! Oh! Ces vampires modernes, ils ont peur de miettes de pain. Oh, bon appétit à moi. Ahem. Quoi? Et nous? Servez-vous. Il y en a assez pour tout le monde. Oh, c'est bon, j'ai compris. Encore? Café? Oui, nous allons au café. Allons-y. Oh, attends, et qu'est-ce qu'on fait de moi? À l'aide! Alors, qu'est-ce qu'il y a? On prend quoi? Un burger? Pizza. Algue. Oh, ça n'existe pas, ça. Et pourquoi pas une carafe de sang? Mais on veut de la pizza. Et un burger? On attend. D'accord. Ça vient. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on jouait aux dames? Burk. J'ai une meilleure idée. Oh, où est l'entrée? Ah, je vais déjeuner maintenant. Je ne peux pas sortir au soleil. Mais ma famille a faim là-bas. Nourriture, nourriture. C'est à cause de toi. Je dois les sauver. Reprends-toi. Oh, c'est juste là. Miaou! Miaou! Un chaton? Oh, qui l'a jeté dans la poubelle? Je vais te sauver! Où es-tu? Miaou! Bon, je pense que c'est fait. Qu'est-ce que... Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait à mon... restaurant favori? On a déjà mangé. De l'eau de mer? Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vais prendre celui-là. Merci. Bonjour. Je vais prendre du pop-corn. Salé. Sucré. Salé. Sucré. Salé. Sucré. Arrêtez de vous battre. Je vais vous aider. Vous êtes prêts pour un peu de magie? Oh, Burk, c'est salé. Sucré. C'est nul. Oh, on s'en moque, non? Bon, c'est compris, je me corrige moi-même. Et voilà, on peut y aller maintenant? Les enfants, on y va. Je vous rattrape. Moi aussi, il me faut une collation. Du pop-corn? Non. Pourquoi est-ce qu'on reste là?
Pourquoi on n'entre pas? Ils ne veulent pas nous laisser entrer. Quoi? Les sirènes et les vampires n'ont pas le droit d'entrer. Dommage, je voulais vraiment voir ce film. Moi aussi. Juste une seconde. Seuls les vampires et les sirènes peuvent entrer. Seulement les sirènes et les vampires peuvent entrer. C'est bon, on peut entrer. Le film va commencer. Entrez, entrez. Suivez-moi. Hé, ah. Hey. Pourquoi on peut pas entrer, hein? Seulement les vampires et les sirènes. Ah, oh, d'accord. Cool, on est les seuls dans la salle. C'est grâce à moi. Surtout, ne me remercie pas. Moi, tu es le meilleur. Waouh, c'est un film tellement cool. Les vampires sont trop cool. Est-ce que je peux être un vampire moi aussi? Au moins pour un moment. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, mais juste pour un moment. Merci. Ouais, maintenant on a deux vampires. Trois en fait. Pendant un certain temps. Eh bien, on peut aller voir un autre film. Oui, et ensuite on rentrera à la maison. D'accord. Les enfants du comte Dracula. Donne-moi ça, c'est à moi. Je vous ai eu, bande de vampires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oups, tout ça c'est de ta faute. Non, c'est de ta faute. Ah, deux pop-corn sucrés. On va voir Vampire Love. Moi, je voulais voir Ladybug la miraculeuse. Chut. Toi, tu viens avec moi. Laisse-le partir. Non. Justin! Justin, mais où est-ce que tu es? Oh, il a kidnappé mon frère. Je dois le sauver, mais comment? Chat noir? Tu es vraiment réel? J'ai pas le temps de t'expliquer. Nous devons aider ton frère. Mais comment? Il faut que tu deviennes Ladybug. Moi? Ok, nous y voilà. C'est ton repère secret? Découvre ça. Miaou! Allez, viens. Waouh! Eh bien, commençons. Regarde ce que j'ai trouvé. Je suis Bat. Oh, merci. Tiens, c'est comme ça que tu devrais être. Comment on fait ça? Je vais t'aider. Tu peux te tenir tranquille, s'il te plaît. Oh, ok, c'est bon. Oh là là. On va essayer comme ça. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis allergique au chat. Oh, mais c'est terrible. Mais je sais comment régler ce problème. Oh oui, maintenant je peux enfin exterminer tous ces chats dégoûtants. Il ne reste plus qu'un dernier ingrédient. Achoum! Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le chat noir. Maintenant, jetons un coup d'œil. Oh, tada! Un remède contre les allergies aux chats. Merci pour ton aide. La police est en route. Très bien. Reste ici. Où est-ce qu'on est? Tu es dans mon repère. Le dernier endroit où tu resteras à jamais. Mais c'est mon père. Est-ce que t'es fan? On peut dire ça. Bientôt, il viendra te sauver et enfin, je le frapperai. T'es bizarre et méchant et stupide. Quoi? Et comment oses-tu? D'accord, je reviens bientôt et ne touche à rien. Compris? Ne touche à rien, hein? Mais... Oh, mais comment? Oh, ça craint. Ne bouge pas. Et on va parler, ok? Regarde ce que j'ai. On fait un échange? Ouais, bien sûr. Je devrais cacher ça juste au cas où. Oh, c'est ça, au cas où. Hein? Rien, rien. Vas-y, joue. Tant que tu le peux.
J'ai inventé un remède miraculeux contre les allergies. Ça a marché. Oui, mais il y a encore un petit problème. Quel problème? Tu as un bouton. Quoi? Oh, t'inquiète pas, je sais exactement ce qu'il faut faire. Bouton éliminé. Oui, bravo! Bon, il est temps pour moi d'y aller. Attends, mais... Et ton maquillage? Bon, on peut manger un morceau d'abord? Mmh, oui, bien sûr. Bonjour. Votre pizza est arrivée. Alors, on va continuer? Oui. D'abord, tes lèvres. Voilà, c'est fait. Tu viens me donner des moustaches? Oh, j'avais complètement oublié que tu étais censée être Ladybug. Alors, de quoi j'ai l'air? Je vais te montrer. Et voilà! Je suis tellement, tellement belle! Hé! Hey, qu'est-ce que tu penses faire, voyons? Arrête! Je ne peux pas! D'accord, ça devrait t'aider. Hé! Hey, découvre ce que j'ai pour toi! C'est le masque de super-héros de Ladybug? Oui, mais le vrai super-héros ne pleure pas, tu sais. Je ne pleurerai plus jamais, je te le promets. Bien sûr, je te crois. Ok, masque, c'est fait. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec tes crocs? Tu les as déjà brossés, ma pote? Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Mais on peut arranger ça. Tiens, mords plutôt là-dedans. Je suis sûre que ça va t'aider. Hé, hey, n'y pense même pas. Tu essayes de m'hypnotiser? Aucune chance. Ces trucs ne marchent pas sur moi. Une fois de plus. Blanc nacré, joli, mais... Tiens, découvre ça. C'est un miroir, pour de vrai. Oh, désolée. Quoi qu'il en soit, nous allons maintenant limer les crocs. C'est fait. Oh, j'ai faim maintenant. Au fait, j'ai un petit cadeau pour toi. Un cadeau? Un cadeau? Bon appétit. Oh, et tiens, tu ferais bien d'utiliser ceci. Merci. Dans, c'est fait. Troisième étape, la tenue. Es-tu sûre que c'est sans danger? J'en suis pas sûre, non. Eh bien, on va commencer. J'ai l'impression d'être une psychopathe. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Joue avec moi. Ah, ce n'est pas ça non plus. Oh, je l'ai trouvé. Hé, hey, qu'est-ce que tu as là? Oh. Ah, voilà, ça c'est mieux. Très bien, on va continuer. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oh, tais-toi. Ça suffit, je n'ai même pas de nourriture. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Du sang. Non. Alors, du gâteau? Non. D'accord, je vais te laisser le choix. Soit j'ai mon gâteau, soit tu... Comment t'as trouvé ce truc? T'aurais dû mieux le cacher. D'accord, d'accord. Je vais te donner ton gâteau. Ouais. Tiens. Mais c'est pas mon anniversaire. On s'en fout. Mange-le, c'est tout. Ok, mais dans ce cas, je veux souffler la bougie. Mais ça n'est pas ton anniversaire. Je m'en fiche. Chante. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Très bien, maintenant, je vais te cacher un peu mieux. Quelque part où il ne te trouvera jamais. Hein? Oh, ne fais pas attention à moi. Mange et surtout, essaie de ne pas t'étouffer. Bon, c'est bon. Est-ce que je peux l'enlever, là? Pas encore. Et maintenant? Non! Et maintenant? Oh, mais il est encore trop tôt! Ah! Oh, je t'avais dit qu'il était trop tôt! Oh, combien de temps ça prend? C'est déjà la cinquième fois et ça ne marche toujours pas! Oh, mais j'ai une idée! On utilise Huggy Wuggy!
Bon, tu sais ce qu'il faut faire, alors vas-y. Hé, ne me touche pas. Oh, mais ne sois pas si méchante. Il est très sensible. Allez, caresse-le un peu. Ok. Waouh. Oh, mais tu es incroyable, Huggy Wuggy. Eh bien, à plus tard. Il est trop cool. Et si mignon. Oui, j'adore son sourire. Bon, maintenant, on sauve mon frère ou quoi? Oui, mais tu as toujours besoin de ton sac à main héroïque. J'en ai déjà un. Pas question. Rien ne rentre dans celui-là. Tiens. Tu penses que celui-là peut contenir plus de choses? Regarde. Alors? Ouh. Oh, je vais le prendre. Alors, on peut y aller maintenant? Est-ce que tu peux te débrouiller toute seule dans une bagarre? Eh bien, bien sûr que je peux. Je n'en suis pas si sûre. Ah! Oh! Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu aurais pu me dire que tu peux faire ça. Je te l'ai dit. Très bien, on va y aller. Attends, t'as oublié la liste de contrôle. Tu as raison. Je m'ennuie. On peut jouer? Non. Je peux faire Ken et toi, tu seras Barbie. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit non. Et maintenant? Comment tu continues à faire ça? C'est toi qui fais Barbie. Je ne vais pas porter ça. Où est la gâchette sur ce truc? Ok, d'accord. Je suis Barbie maintenant. Et nous voilà! C'est Ladybug et Chat Noir. Et tu es un chasseur de vampires? Ne vous laissez pas berner par ma robe. Je fais ce que je veux avec vous. Hé, hey, tu cherches ça? Oh, petit... Cherchez! Hé, est-ce que vous savez au moins qui je suis? Je suis... Ladybug, tu as sauvé ma vie! Justin, c'est moi! Tu es Ladybug? Chut! Il faut qu'on garde le secret, d'accord? Oh, et encore une chose, je pense que ceci t'appartient. Je n'en ai plus besoin. Après tout, j'ai une vraie Ladybug avec moi. Maintenant, on va voir un film. Un film de vampires? Et pourquoi pas la coccinelle miraculeuse? Ouais! Tu veux venir avec nous? Oh, je vais rester ici pour l'instant. J'ai encore un compte à régler. Tu comprends? Quoi? T'es un vampire aussi? Au fait, qu'est-ce que la photo de notre père fait ici? C'est une longue histoire. Wow, c'était un super film. Oui, je l'ai adoré aussi. Mais à partir de maintenant, c'est chacun pour soi, d'accord? Ouais, comme toujours. Mais tu es toujours la meilleure des sœurs. Et tu es mon frère préféré. N'oublie pas de garder le secret pour aujourd'hui. Je pense que c'est ici. Excusez-moi. Vous pourriez me dire où se trouve Monsieur Ewald? Bien sûr. Je pense que je vais le trouver moi-même. Besoin d'aide? Et rien ne te dérange? Maman! Vous sentez ça? C'est pas moi. Rien à voir avec vous, il y a un être humain. Un être humain? T'es vraiment mal barré. On va t'enlever ça. Ne bouge pas. Arrêtez! Qu'est-ce que je vous ai dit à propos de la discipline? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, laissez-le partir, c'est pour moi. On était si proches. Allez vite! Ah, les enfants. Est-ce que c'est tout? Vous pouvez y aller maintenant. Et je vous conseille de vous dépêcher. Attrape! Attrape! Rends-moi ça! Rends-moi ça! Essaie de le récupérer. C'est hilarant! D'accord. J'ai dit rends-le. D'accord. Pourquoi dois-tu crier comme ça? Voilà. Merci. Loser. C'est la classe de maths? Enlève tes lunettes et tu verras. C'est pas nécessaire.
Je pense qu'on a une nouvelle victime. Qui es-tu? La nouvelle fille, Vampire Gorgon. C'est quoi ce nom bizarre? Laisse-moi essayer tes lunettes. Je te conseille pas. D'accord. Que penses-tu de ça? Ne fais pas ça. Voyons voir quelles sont ces lunettes miracles. Je t'avais prévenu. Waouh, cool! Passe-moi les lunettes. Très bien, la classe, nous avons une nouvelle fille. Qui a fait ça? C'était pas ma faute. Oups. Oh, vous devriez faire plus attention avec elle. Merci, pourquoi tu m'aides pas à me détacher? Non, tu peux t'occuper de ça. C'est de la folie. La chose, donne-moi le rouge à lèvres. C'est du gloss, la chose. Non. Pas ça. T'es un assistant terrible. Où vas-tu? Oh. De qui se cache-t-on ici? Personne. Ah, j'ai compris. Elle l'aime bien. Beaucoup, mais j'ai l'air horrible. Ne t'inquiète pas, on va t'aider. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une blague sympa? Quoi? Je disais qu'est-ce qu'on ferait pas pour une amie? D'accord, t'es superbe. Merci, Stella. De rien, maintenant tu peux y aller. Salut. Waouh. Ce TikTok va faire un million de vues. Tu es si belle. Moi? Elle? Tu ressembles tellement à Harley Quinn. Pourquoi ne pas aller faire un tour? Ok. C'est de la folie. Merci. Waouh, joli maquillage. Tu veux bien m'en faire un? Quoi? Non. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Fais mon maquillage. Non. Oh. Phew. Enfin le silence. Stella? Je suis là, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi n'y a-t-il que des vampires? Oh. Votre attention, la classe. La classe! Si vous voulez une bonne note dans ma matière, vous devrez me mordre. Pendant la journée. L'horloge tourne. Considérez que les A sont dans notre poche. Bon, n'aie pas peur. On va pas te faire de mal. Ne t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Eh, pourquoi on ferait pas équipe? Je peux le faire toute seule, j'ai pas besoin de ton aide. Comme tu veux. Ah, quoi? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il arrive. Vous êtes prêts? On y va. Personne. Allez, allez! Ah! Vous voilà. F! Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, apprenez! Oh, Stella! Oh. Te voilà! F! Au secours, il y a un monstre là-dedans! Où ça? Dans la salle de bain! Est-ce que tu es sûr? Oh! Oh, oh, oh. Il est là-dedans. J'ai peur. Reste ici. Oh, allons-y. Bonjour. Justine. Ah, eh bien, ça, ce sera vraiment à vous deux. Comment ils ont fait? Bien joué. Je t'avais dit que ça marcherait. Je me demande comment vont les autres. Loser. Oh. C'est lui. Tout ça, c'est de sa faute. Ok, au moins on peut bouger. Venez à mon anniversaire. Pousse-toi. Qui vient à ma fête? Oh, c'est aussi ton anniversaire? Je fais une fête, pas de limonade ni de gâteau. Va-t'en. Ne te mets pas dans l'embarras. Ah ouais? Regarde, Stena n'a que 5 ans. Petite fille, moi. Qu'est-ce que t'as dit? Oh là, regarde. Qu'est-ce que t'as dans la main? Tu vas le regretter. Seulement j'aurai des invités, toi non. Oh, qu'est-ce que vous faites là? On y va.
D'accord, quand je sortirai, fermez la clé. Elle est partie. Eh bien, ferme la clé. Oui. On est une équipe. Elle m'a dit de la fermer quand elle sortirait. J'adore faire des cadeaux le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est pour toi. Oh, vraiment? Alors, c'est pour toi. Oh, merci, c'est très gentil. Un coussin? Oui, parce que ce soir, tu dors. Ici. Salut. Hé! Hey, t'es si méchante. Pas maintenant, ouvrez! Au moins, je serai pas seule. Une lampe de poche? Non! Hé! Hey, qu'est-ce que tu veux? Fais un vœu et souffle. Oh, c'est mignon. Je peux? À toi. Joyeux anniversaire, Amélia. Joyeux anniversaire! Surprise! Vous? L'opération Amitié a été un succès. Merci à Michael et Alexa. Maintenant, vous avez appris que la chose la plus importante était la discipline. Et le meilleur cadeau est l'amitié. Oui. La paix? À présent, soufflez les bougies. Oh, Wipery, non! Oups. Ça s'ouvre pas. Et la potion n'est plus là. Et si j'essayais? Ils arrivent. Besoin d'un coup de main? Merci. On va au cinéma, vous voulez venir avec nous? Oui. Avec plaisir. La chose? On peut venir avec vous? Bien sûr. Allez, on vole. D'accord, on ne vole pas dans l'école. C'est une question de discipline. Comme ils sont devenus matures. Je me souviens de la première fois qu'ils sont venus à l'école. Elle arrive. Quoi? C'est vous qui avez fait ça? Bien sûr que non. Si nous l'avons fait... Oh, on l'a pas fait. Hé, hey, je suis là. Assieds-toi avec moi, j'ai un siège ici. Je pense que j'ai une meilleure idée. Cool. Super, ça fait beaucoup d'espace. Justin, viens ici. Tiens, tiens ça. C'est mieux? Attention! C'est bon, jette l'ail à la poubelle. C'est notre bureau. Stella, je vais le faire moi-même. D'accord. Bonjour la classe. Waouh, vous êtes en train de faire un réarrangement ici ou quoi? Et que fait Alexa par terre? Je suis bien comme ça. D'accord. Le sujet de la leçon d'aujourd'hui est la potion de transformation. Michael, distribue le matériel. Michael? Où est Michael? À quoi ça sert l'école? Le pouvoir, c'est plus cool que le savoir. Ouais. Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu regardes? Monsieur Ewald? Va en classe! J'arrive! Oui, monsieur Ewald. Distribue le matériel. Et moi? Est-ce que tu as oublié ta place? Je suis assis ici. Michael, va à ton bureau. Mais il est pris! Alors prends la place de Justin. Ça craint. Ça craint. Oh, ça craint. C'est une potion de transformation. Il suffit de la mettre sur vous et vous pourrez devenir n'importe qui. Waouh! Ça a marché! Cool! Maintenant, à moi. Ah! Quelque chose s'est mal passé! Arrêtez de rire! Silence! Qu'est-ce que vous avez, les filles? Je veux être la plus populaire. Quoi? Hé! Hey, c'est mon corps! Redeviens toi-même! Mais je peux pas! C'est à cause de la potion! Hé! Hey, on se calme! Michael? Mais je voulais être une voiture! J'ai compris. Ok, je vais tout remettre comme c'était avant. C'est inoccupé? Oui, assieds-toi.
Je pense que cette table manque de nourriture. T'es sérieux? Une seconde. Pourquoi ça arrive toujours? Tu en veux? D'accord. On a de la compagnie. Mange-le toi-même. Je veux un dessert. Et je suis sur le point d'en prendre. Qui a commandé un gâteau? Ici. Tu es mon dessert. Quelqu'un d'autre en veut? Moi j'en veux. Du chocolat. Oh mon Dieu. Tu vas où toi? Encore le livreur. J'aime pas le sang. Moi non plus. On doit le sauver. Attends, ne rentre pas là-dedans. Je l'aime bien épicé, si ça ne te dérange pas. Pourquoi? En fait, c'est sucré. D'accord, c'est mon dessert. Ça a un goût de caoutchouc. Burke! Ok, vas-y, tu es libre. Amelia, tu es finie. Vraiment? Tiens-la. C'est toi notre dessert maintenant. Je dois l'aider. J'espère que ça va marcher cette fois. Ouais, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Amelia est en train de m'apprendre à danser. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord. Au fait, mademoiselle Amelia, j'ai quelque chose d'important pour vous. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et vous, si vous aimez autant danser, vous pouvez danser par vous-même. Quoi? Moi? Avec lui? J'aime bien cette idée. Michael, Stella, j'attends. Ok, donne-moi ta main. oui, c'est ça. Allez, on y va, mademoiselle Amelia. Peux-tu au moins ne pas me marcher sur les pieds? Je fais ce que je peux. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous m'avez dit de danser. Moi? Danser à la cafétéria, c'est un manquement à la discipline. L'intello! Suis-moi. Et la danse? Attendez-moi. Bien que danser est une bonne idée. Tu es mon cœur, tu es mon âme. Que faire, que faire? Ils arrivent. Silence. Regardez partout. Ils sont quelque part ici. Je cherche. Il n'y a personne ici. On va vous trouver. T'as entendu ça? Il s'en est fallu de peu. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, vous jouez aussi à cache-cache? Ne leur dites pas où je suis. Chut. Oh, salut Stella. Les filles, je pense que j'ai trouvé un moyen d'apprendre une leçon à cette nouvelle fille. Wow, une fête? On va à la fête? C'est notre fête! Ah! Suivez-moi! Merci! Oh, regarde qui arrive! Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je voudrais m'excuser et vous inviter à une fête. Toi? Nous? Ouais, c'est quoi le problème? Nous venons de nous souvenir d'un TikTok drôle. Regarde ça! Vous venez? Oui. Super! Arrêtez de rire! Ok, bye! On va y aller. Tu n'as pas peur d'aller là-bas? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Une fête sympa, hein? La fête! Ouh! Salut frérot! Ciao frérot! Arrête de manger! Il est temps de commencer la blague. Arrête de manger! Faisons-le. Compris. Non, non, ne fais pas ça! Qu'est-ce que tu fais? On veut jouer un peu? Amelia, sur le trône, s'il te plaît. Ou tu veux que Justin se fasse blesser à ta place? Amelia, non! Amelia, vas-y, ou ce sera pire. Ah, et moi qui pensais qu'on était amis? Tu te trompais! Et on ne fait pas tour de passe-passe. Que le spectacle commence! Au moins, on est ensemble. Merci. 10, 9, je ne voulais pas, mais 7, je dois le faire. 6, 5, 4, 2, 1. Qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va s'amuser un peu. Reviens tout de suite. Arrêtez-le! On ne peut pas l'arrêter. Waouh, j'ai compris. Alors, où est-ce qu'on va? On va au parc? C'est une très bonne idée. Stella, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oups. Je crois qu'on devrait y aller. Attends, qu'est-ce que... Et moi? Et toi, tu es puni. Téléphone. Mais c'est pas juste. Et à partir de maintenant, tu iras dans une école normale. Pas ça! Tout a été dit maintenant. Oh, j'espère que je pourrai être populaire ici aussi. Oui, je suis sûre que je peux. Ah, le collège. Enfin, mes connaissances seront... reconnues. Yeah! Wow. Ce sont mes camarades de classe? Quand sont-ils devenus si intelligents? Cindy, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de calculer l'heure. C'est facile, il est 9h du matin. Dans tous les univers en même temps. Mais il y a un problème avec le 50647e univers. Attends, est-ce que tu as dit 9? Eureka! Oups. Attention! Expérience 47, échec. On passe à la suivante. T'as quand même mangé le constructeur. Oui, le bitcoin, oui. Acheté 100 unités. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de créer ma propre crypto-monnaie. Ça s'appelle le briquet. Une crypto-monnaie? C'est définitivement un rêve. Aïe! Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si je suis dans la bonne réalité. Celle-ci, pour l'instant. Mais l'avenir, c'est dans la réalité virtuelle. Vers l'infini et au-delà! C'est Elon Musk. Bonjour, Elon. Ah oui, bien sûr que je t'ai reconnu. Je suis vraiment dans ma classe? Que quelqu'un me dise pourquoi tout le monde est soudainement devenu des génies? Oh, mais les habitudes sont toujours les mêmes. Bonjour, la classe. Ah, je sais que vous êtes tous occupés, mais vous devez me remettre vos dissertations. Quelle dissertation? Je veux dire, on est qu'au collège. C'est une sorte de blague. Ça suffit. J'abandonne. Oh, quelle journée terrible. Et ça va empirer. Peut-être que je devrais retourner en primaire. Oh, non. Je vais leur prouver que je suis intelligente, moi aussi. Alors, j'ai 12 heures, 50 livres, 5 projets, un goûter pour la nuit. Et une énorme envie d'aller au lit. Ok, est-ce que Socrate ou Einstein dormaient? Je ne crois pas. Est-ce que je suis pire? La nuit de la connaissance a commencé. Oh,
Le jour X est arrivé. Aujourd'hui sera différent. Le savoir est difficile, surtout quand il y en a autant. Oh, j'aurais dû mettre le skateboard dehors, après tout. Oh, rappelle-toi, tu es la meilleure, intelligente et la plus jolie. Qu'est-ce que c'est, ça? D'où viens-tu? Ok, tu dois te ressaisir. Un bouton sur le front est un signe de haute intelligence. Et tout le monde va comprendre ça aujourd'hui. Ouais, c'est très drôle. C'est un volcan que tu as? Oui, c'est mon projet. Sur ton front aussi. Fais attention, cours! Le volcan va exploser! En fait, les volcans n'explosent pas. Ils entrent en éruption. Oh, allez! Ça suffit. C'est bon. Les manuels scolaires. T'es dans la bonne école? Qu'est-ce que tu veux? C'est un uniforme? Oui, on est à l'école, n'est-ce pas? Si tu veux être respecté, je te suggère de te changer. Je croyais qu'on se faisait respecter pour son intelligence. C'est ce à quoi tu ressembles qui compte. Moi aussi, je suis en retard pour le cours. Bon, t'auras un nouvel uniforme, de nouvelles règles et une nouvelle moi. C'est mieux. Okay. Arrêtez, mademoiselle. Où allez-vous comme ça? Et habillé comme ça? En cours? Qui est en train de se dérouler? Dans mon bureau, tout de suite! Oups! Aha! Mélissa F. Pas étonnant. Eh bien, quand vas-tu commencer à étudier? Et vous? Chez le directeur. Y a-t-il d'autres lettres? F. Fantastique! Chez le directeur. Chez le directeur. Du matin? Oh, c'est si tôt que ça! J'aurais pu dormir davantage. Bon, je vais à l'école. Où est-ce que c'est?
je l'ai trouvé. Ouais, j'aime pas vraiment aller à l'école avec mes cheveux comme ça. C'est bon. C'était vraiment inutile. Et je dois faire quelque chose pour mes cheveux. Jolie fille. Il est presque 11 h. Il faut que j'aille à au moins un cours. Oh. Pourquoi tout est si compliqué? Ah. Ah, ça craint. Je vais y aller en pyjama. J'ai presque oublié le petit-déj. Ananas, fraises, pommes... des fraises. Les baies sont bonnes pour petit-déjeuner. Mélissa! Salut! Jolie tenue! Je commande! Moi aussi! Hé, hey, t'en as aussi pour les mecs? Salut Mélissa! Oh, Kevin, c'est toi. Tu es venue à l'école en pyjama? Moi? En pyjama? Non, bien sûr que non. Mais c'est un pyjama! J'en ai un aussi. Enfin, je veux dire, pas moi. J'en ai un avec des voitures. Enfin, je sais pertinemment que c'est un pyjama. Chut. Ce sera un secret entre toi et moi, d'accord? Bien joué. Je pensais... Arrête de réfléchir parfois, ou dans un instant ta tête va faire boum et c'est tout. Non. En fait, je voulais t'inviter à l'observatoire. On pourrait regarder les étoiles ensemble. Ils ont le plus grand télescope du pays, tu sais. Tu peux croire ça? Dernière année. Oh, accroche-toi. Tout sera bientôt terminé. Lève-toi. Quoi? Je dois te le répéter. On dirait que quelqu'un n'est pas d'humeur aujourd'hui, hein? D'accord. Écoute, Molly, si on sortait ce soir... Elle sait pas ce qu'elle rate. Depuis l'année dernière. J'adore l'école. Dommage que ce soit la dernière année. Ah, Mélissa! On n'avait pas fini cette conversation du couloir. Ouais, maintenant. Vas-y. Alors, en fait, il va y avoir un truc comme ça. Ça tourne comme ça. Ça s'appelle un télescope. Et quand tu regardes à travers ce télescope, eh ben, tu peux voir tout le ciel là-haut, tout en haut. T'imagines, tu peux imaginer ça. Et en plus, tu sais quoi, c'est vraiment génial à voir. C'est une très longue phrase. Parce qu'on peut aussi voir la grande ours. Et aussi, parfois, quand c'est bien dégagé, on peut voir la petite ours. C'est comme la grande, mais en plus petit, en fait. Et toi et moi, on va voir ça. C'est une journée terrible. Crois-moi, ça va être vraiment cool. Tu vas adorer. Où? À l'observatoire. Je te l'ai dit. Alors, on y va. Oui, bien sûr. Demain? Ouais. Je peux pas. Oh. D'accord. Peut-être une autre fois? Et maintenant? Quoi? Allez! Tu veux voir les étoiles? Oui. C'est comme être dans l'espace. Mais on est en classe. Oh. Tu es si intelligent, mais tu ne connais pas les choses élémentaires. Lei? Quoi? Tu as ta combinaison d'astronaute avec toi? Bien sûr que je l'ai. Je l'ai depuis l'école primaire. Un jour, j'aurai une récompense.
Super. Donne-la-moi. Mélissa, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est une idée géniale. Imagine juste... toi, moi, dans l'espace. Juste toi et moi dans l'espace. Mais là. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment comme dans l'espace. Je te l'avais dit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Mélissa, Kevin, levez-vous du sol! Immédiatement! C'est qui, ça? Un ovni, je suppose. Ah! Tu as fait entrer notre meilleur élève, Kevin, dans ton jeu aussi! Peut-être que nous avons besoin simplement d'une approche différente. Oh, c'est la dernière année, c'est tout. Oh. Ah. Ouh, ouais, l'école est terminée, enfin. N'importe quelle université me prendrait avec un tel diplôme. Moi, je vais travailler, j'en ai assez d'étudier. C'est fini. Au revoir, l'école. Ça ne me manquera pas. Ok, j'aurais peut-être besoin de toi. Et où allons-nous comme ça? À la maison, ou d'autres. Et le dernier jour d'école, alors? La remise des diplômes. Voilà le diplôme, la robe est sur moi. Wouh, c'était amusant, maintenant je m'en vais. Stop! Ça n'est pas comme ça qu'on fait. Suivez-moi. Oh, oh, oh. Oh, monsieur le principal, allez-y, oui. Hé, hey, monsieur Ryan! Oh, oh. Je peux y aller maintenant? Non, pas avant notre bataille. Quelle battle? La bataille de la danse. Justin, balance le son. Wow! Est-ce qu'on se moque de moi? Hé, bougez-vous aussi! C'est vraiment dégoûtant! Le principal est génial! Principal! 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 Mélissa, ne reste pas plantée là! Montre-lui comment on fait! Très bien, tu l'as demandé. Vous pouvez faire ça. Oula, je ne le permets pas. Eh bien, attendez un peu. Comment ça va? Félicitations, vous avez gagné. Non, c'est vous. Non, nous peut-être. Psst, on doit y aller. Je ne serai pas capable de faire une deuxième danse. Ouais. C'est pour vous. Eh bien, vous êtes vraiment lancé. Je savais pas que vous pouviez faire ça. Et vous pensiez que je ne pouvais être que strict. Je suis aussi... Et au fait, qu'est-ce que tu vas faire après le lycée? Oxford. Quoi? Oxford. Ils m'ont accepté en deuxième année. On ne pouvait pas entrer sans diplôme. Tu sais... j'ai toujours cru en toi. Merci. Et je suis désolée pour tout. Tu veux bien l'ouvrir? D'accord. T'aurais dû voir ta tête. Okay. Tenez ça. Et vous pouvez l'ouvrir? Bien sûr. Mélissa. Mais je suis le principal. Plus maintenant. En tout cas, pas pour moi, c'est sûr. J'ai passé mon diplôme. Oui, tu t'en sors très bien. Bon, si ça te dérange pas, je vais aller changer mon costume. Ouais, bien sûr. Encore une fois, félicitations. T'es vraiment doué.
L'école n'est pas si mal après tout. Ça va me manquer. Et pas que l'école. Allez! Allez! Oh. Salut! Oh. C'est toi. Tu t'amuses bien? Oui, je m'amuse beaucoup. Que penses-tu de l'observatoire? Où ça? Et quand? Maintenant. Et la remise des diplômes alors? Entourée d'étoiles et de planètes, elle sera encore plus lumineuse. Alors, tu viens? Vers l'infini et au-delà. C'est tiré de Toy Story. J'aime aussi ce dessin animé. Oh, qu'est-ce qui va pas avec cette clim? Je vais mourir de chaleur. Hey. Attention, Candice, pourquoi t'es essoufflée? Il y a un nouveau parc aquatique, Mélissa. C'est quoi le problème? Quoi? C'est le parc aquatique le plus cool du monde! Il y a beaucoup de toboggans et de piscines différentes! Waouh! Ça, c'est intéressant! Les personnes les plus célèbres et les plus populaires vont à l'inauguration! Oui? Billie Eilish, Ariana Grande, Tom Holland seront là! Quand est-ce que l'ouverture a lieu? Aujourd'hui! Alors pourquoi on n'y est pas? On y va! J'ai déjà appelé un taxi! J'arrive pas à croire que nous allons passer du temps avec ces stars! Ouais, moi non plus! Oh, le taxi est là! Prends ton maillot de bain et on y va! Je reviens tout de suite. J'attends dans le taxi. Votre billet? Ah, parfait. Entrez, je vous en prie. Je suis avec elle aussi. Allez-y. Je suis prête à m'amuser. Ouais, moi aussi. J'espère que je vais rencontrer quelqu'un de sympa. Et célèbre. En fait, il y a une file d'attente ici. C'est pour le parc aquatique? On dirait qu'il y a plus de gens que l'on pensait qui veulent passer du temps avec les stars. J'ai une idée. Ouais. Vérifiez. Juste une seconde. Hé hey! Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous allez comme ça? Regardez-le. Ouais, ils embauchent toutes sortes de personnes ici. Qui êtes-vous? Nous? Nous sommes les amis de Billy. Billy qui? Pas n'importe quel Billy. Ah ouais. Elle est Billie Eilish pour toi. qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Alors vous pensiez que vous seriez les seuls à être sournoises comme ça ici? On a même des amis du président qui font la queue. Alors allez à l'arrière de la file, vous pourrez même rencontrer les amis de Miley Cyrus. Allez-y. Comment ça? Il n'y a pas le choix, on doit attendre. Oh. Alors, vous avez trouvé. Ashley, c'est pas ça que t'étais en train de chercher. Pourquoi c'est si long? Votre billet? Bien sûr, allez-y. Ça fait une éternité qu'on est là. N'exagère pas, ça ne fait que 3 secondes. Et alors, pour moi, 3 secondes, c'est une éternité. Allez, il ne reste pas tant de personnes que ça. Votre billet? Ah, parfait. Tout ça est ta faute. T'aurais pu prendre moins de temps pour te préparer. Ma faute? C'est toi qui as laissé tes affaires à la maison et on a dû y retourner. Ok, ça va, panique pas. On est les prochaines. Ah, allons-nous plonger dans la scène sociale. Et la piscine? Désolé, nous sommes complets. Comment ça? Jetez quelqu'un dehors. Bonne journée à vous. Au revoir. Eh bien, peut-être... attendez. Pourquoi on n'a jamais de chance? La fête est nulle sans nous, de toute façon. C'est vrai, toutes les stars restent assises à s'ennuyer. Ouais, et elles se demandent où sont Candice et Mélissa. Oh, il fait si chaud. Qu'est-ce qui va pas avec cette clim? Et si... on construisait notre propre parc aquatique? Oui, avec des bâtons et du polystyrène.
Pourquoi pas? T'es sérieuse, là? Bien sûr que je suis sérieuse. Ah, ok, y a rien à faire, de toute façon. Alors toutes les stars vont demander à venir dans notre parc aquatique. Et nous choisirons qui entre et qui n'y entre pas. Allez, je suis impatiente de tout construire. Mais d'abord, on commande les matériaux. Du polystyrène et des bâtons. Bonjour, bonjour. On va construire un parc aquatique. On a besoin de polystyrène, de bâtons et de vis. Tissu, perceuse, marteau. Qu'est-ce que c'est? T'as commandé? C'est en train d'arriver. La construction, c'est bien, mais nos tenues ne feront pas l'affaire, c'est évident. J'ai tout prévu, fais-moi confiance. Attrape ta tenue. Joli, j'aime bien. Ouais, c'est confortable. Et surtout, c'est joli. Alors, on va trouver un endroit. Oui, allons-y. Je pense que c'est très bien. Oui, c'est très bien. On doit juste ranger le linge. Boum. C'est fait. Voilà. Mélissa, aide-moi. Candice. Oups. C'est fait. Voilà, maintenant c'est ensoleillé. Et je peux brûler. Je ne veux pas être rouge. On fait un auvent alors? Ok. Chaque parc aquatique cool devrait avoir un auvent. On se met au travail alors? Oh, attends, de quoi allons-nous la faire? Eh bien, on a des cordes à linge. Du tissu et 1 plus 1 égale 2. De quoi? Ah oui, oui, c'est ça, 2. Ok, ça suffit les maths. On se met au travail, on va brûler à coup sûr sinon. Ouais. Mélissa, va chercher du tissu supplémentaire. Je m'en occupe. Tiens. Ouais. Ah. Mélissa, passe-moi la pince à linge. Merci. Je pense que c'est tout. C'était pas facile. Il fait moins chaud maintenant. Ouais, et c'est joli. Mais la clôture n'est pas cool du tout. On doit arranger ça. On peut faire le ciel avec des nuages. Oui, on a drapé le ciel avec des toiles pour le faire sur le mur. Oui, écoute, et si effectivement nous faisions le ciel avec des nuages? Oui. Je sais, va chercher le filet et je vais chercher le tulle. Ça va être tellement cool. Tout est si aéré. Mélissa, le filet! J'y vais. Ce filet va fabriquer le ciel, n'est-ce pas? Ouais, tu vas voir maintenant. Ouais, pour l'instant, c'est juste comme une moustiquaire qui ne te sauvera certainement pas des insectes. Mélissa, prends ton temps, c'est en train d'arriver. Candice, j'ai peur, là. J'irai plus là-dedans, une fois m'a suffi. C'est pas une mauvaise idée, mais je fais tout et toi, tout ce que tu fais, c'est servir. Tu dois savoir comment diriger. Eh, ça se passe bien jusqu'à présent. Ouais, on fait les nuages maintenant? Oui. Ok, nous avons le carton. De la ouate et de la colle. Waouh, super. On a presque terminé. Et maintenant, un peu de magie. Oh, c'est plutôt cool. C'est magnifique. Quel beau nuage. Oui, il ne nous reste plus qu'à les monter sur le mur. C'est joli, n'est-ce pas? Ils ont l'air si vrais. Candice, je crois qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque encore? On fait un soleil? Mélissa! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Attends. Mais fais vite! C'est inutile. Tu ne voulais pas du soleil? Et puis quoi? Mélissa, on assemble le tout, on l'enveloppe dans du tissu et tu as un soleil. D'accord. Et... voilà!
Qu'est-ce que t'en penses? C'est exactement comme je l'avais imaginé. Fixe-le. Magnifique. Maintenant, tu n'as même plus besoin de lever la tête pour regarder le ciel. Je suis d'accord, c'est un effort insupportable. On dirait que le tonnerre arrive. C'est juste mon estomac. T'es sûr que c'est normal? Tu devrais peut-être voir un médecin. J'ai juste faim. Ah, ouais, je comprends. En fait, j'ai aussi faim. Et je boirais bien une limonade fraîche. Et un milkshake. Chaque parc aquatique a un bar. J'aimerais qu'on en ait un. Commande des boissons fraîches et quelque chose à manger. Ah, Pourquoi ne pas construire un bar dans notre parc aquatique? Je vais mourir de faim pendant qu'on construit. As-tu une autre suggestion? On peut juste commander une pizza. Et on peut construire un bar, commander des pizzas et faire des cocktails. Ok, super. Super, on va aller chercher les matériaux. Puis je m'occupe de l'enseigne. Et tu as demandé pourquoi on a besoin de tout ce bazar? Ok, t'avais raison. Ok, mets ça contre le mur, je vais chercher une autre palette. Mélissa, si vite? Tu dois avoir vraiment faim. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de manger jusqu'à ce que nous ayons fini de construire. C'est un marché, tu fais l'enseigne et je fais le comptoir. Cool. Facile. Fais attention, il y a le bar. Waouh, ça devient intéressant. C'est presque terminé, il reste une nappe. J'ai tout préparé. On a mangé, maintenant on peut se reposer. Ouais, et notre parc aquatique? Eh bien, ça fait une éternité qu'on travaille. Il faut qu'on se repose. On se reposera quand on aura fini de construire. Oh, ne soupire pas, il faut juste qu'on fasse une aire de repos. Avec un peu de chance, une aire de repos pour nous. Bien sûr que non, pour les invités. Et voilà, certaines personnes obtiennent tout, et certaines personnes n'obtiennent rien. Ne sois pas bête, on va construire une aire de loisirs, une piscine et un toboggan. C'est tout? Non, bien sûr que non, il y a un décor. C'est terrible. Où vas-tu? Quoi? Construire une aire de loisirs? Pour les invités. Attends-moi. Ça ressemble pas à une aire de loisirs. Bien sûr, après tout, on n'a encore rien construit. Et rappelle-moi, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Les chaises les plus cool et les plus confortables. En pneus. Tu verras par toi-même. Donne-moi les bombes, on va les peindre. C'est si coloré. Un de fait, il en reste trois. Je vais chercher. Candice, j'ai fini. Qu'est-ce que c'est? C'est ma création personnelle. Ok, designer. On s'y met. Voilà! Qu'est-ce qu'on en fait? La mousse, le tissu et on fait les sièges! T'aurais dû le dire et je poserais pas de questions idiotes. Oh, c'est bien! C'est tout doux! Il en reste trois. C'est bon, même bientôt, on se reposera dans un parc aquatique tout frais. Et ça, ça va juste là. J'ai fini. Parfait. C'est le siège et ça, c'est le dos. Ouais, je savais pas que les pneus pouvaient faire de si belles chaises. Super. Ok, on les a testés, il est temps de construire la piscine. Bah, pourquoi ne pas nous reposer un peu et ensuite on la construit?
D'accord, mais juste une minute. Candice, on doit envoyer les invitations. Ouais, on a besoin de publicité. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'un espace photo. Non. Et pourquoi pas des photos cool pour que tout le monde ait envie de venir dans notre parc? Ok. J'ai tout prévu. Ok, ok. 5 minutes. Bon, où est-ce qu'on le construit? Là-bas? Ok. J'ai besoin d'une planche, de mousse de montage, de carton et de peinture. Ok, commandant. Waouh! Ce sera la base de l'arrière-plan. Tu fais le cadre et je peindrai l'arrière-plan. C'est parti! Mélissa, le cadre est prêt! L'arrière-plan aussi! Montons-le! Ouais! Alors, est-ce que c'est prêt? Bien sûr que non, il ne reste plus qu'à créer un effet de vague de mer. Waouh, c'est la zone photo la plus cool que j'ai jamais vue! Il y a encore une chose, la planche de surf. Oh, waouh, cool! On va prendre des photos! Et comme ça. Je suis en train d'attraper une vague! Ouais, voilà. C'est fait! On va envoyer ça. Envoyer. Nous allons organiser la fête la plus cool de notre parc. Mélissa, la piscine n'a pas encore été construite. On va aller chercher les matériaux. On y va. On va la construire en polystyrène. Et on la fixera avec de la mousse. C'est parti. Waouh, ça c'est de l'échelle. J'ai jamais vu autant de polystyrène. Par où on commence? Il nous faut un plan. Waouh. Je comprends pas. Tu verras. On commence ici. Ouais. Allons de l'avant. La base est prête. On doit la sceller avec de la mousse. Voilà. Encore moi? Pendant que la base sèche, pourquoi ne pas faire les décorations? Ouais, je sais comment faire des drôles de méduses. Et des poissons. Très bien, on va chercher le bol. Ouvre le sac poubelle. Mets-le ici. On va l'attacher et la méduse est presque prête. Et je vais fabriquer les tentacules. Voilà. J'ai besoin d'en faire d'autres. Super, maintenant je vais le coudre sur la méduse. Voilà, parfait. Tout comme une vraie. Sauf que je ne voudrais pas en rencontrer une dans ma vie. Bien, on va en faire 2 autres. Et nous fabriquerons des poissons en carton. Super. Encore 50 et on pourra décorer. Oh, mais ça va être joli. C'est fait. On commence par le bar. Ok. Je suis en admiration devant cette beauté. C'est comme un véritable monde sous-marin, n'est-ce pas? Je crois que la base est sèche. On va construire une piscine. Ouais, allons-y! Ça a l'air de coller. Maintenant, on va faire les côtés. Ouais,
Va chercher la scie. Ah. On va fabriquer des parois latérales avec ça. Et les coins seront arrondis. Et puis d'autres couches. Ok, notre puzzle est terminé. La piscine est prête. On va la recouvrir de film plastique et la remplir d'eau. Ah, super, va chercher le tuyau d'arrosage. Ok. Tiens. Ok, laisse-la se remplir. Eh bien, on a une piscine. Mais qu'est-ce qu'un parc aquatique sans toboggan? Ok, pendant qu'on remplit la piscine, on va construire le toboggan. Cool. Et sur quoi on le met? Je vais chercher l'échelle. Voilà. Ouais. Oh, plus vite! On va le poser. Ouh. Super. Le toboggan est prêt. La piscine se remplit. On va rencontrer les invités? Ouais. Alors, la fête commence! Les gars, entrez! Ah, trop bien! Cette fête est tellement cool. Ouais, c'est le meilleur parc aquatique où je suis allée. Candy, c'est génial que tu aies eu l'idée de construire un parc aquatique. Ouais, Mélissa, toi et moi, on a fait du bon travail. Wouhou! C'est la fête! Wouhou! Wouhou! Yeah! Ouais!